va frapper à la porte à Wignehe. À Wignehe. La bonne femme vient demander. Oui, bonjour monsieur. Ici la maison de sondage Light et Light. Oui, effectivement. Nous avons traduit notre nom. Oh, parce que nous désirons nous installer en France. Oui, oui. En France, l'appellation anglaise est bien supérieure à l'appellation française. Bon, OK. Bien. Merci, monsieur. Alors, aujourd'hui, je vous téléphone à titre de membre du Parti québécois. Oui, vous êtes au courant de la dernière, du dernier coming out de Mme Marois au sujet de la conversation nationale. Bon, très bien. Alors, aujourd'hui, nous sondons les membres pour savoir si l'expression convient ou s'il ne serait pas mieux de changer l'expression de conversation nationale pour quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que vous préféreriez, vous, monsieur? Préféreriez-vous le blabla national? Le parle-parle, jas-jas national? Le radotage national? Ou le grand parleur, petit faiseur national? Ou, bien sûr, conversation nationale? Vous préférez prendre grand parleur, petit faiseur national? Vous trouvez que c'est plus dans l'esprit de Mme Marois? C'est très bien. Je vous remercie, monsieur. La maison de sondage Light et Light vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. C'est comme ça que ça marche. L'important, c'est de reprendre le débat sur le projet de pays. J'ai dit que je voulais qu'on mette de côté la discussion sur la mécanique. Il va frapper à la porte à Wignehe. À Wignehe.